merci d'être venus si nombreux pour cette conférence où j'ai le grand plaisir d'accueillir Françoise Combes. Françoise Combes qui est déjà venue en 2011, donc il y a 8 ans, pour nous parler des collisions de galaxies. Et Françoise Combes, qui a un CV impressionnant, elle est astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, membre de l'Académie des sciences, professeure au Collège de France. Et donc elle va nous parler ce soir des trous noirs, un sujet d'actualité. Alors quand on a fixé cette conférence, on n'avait pas encore cette fameuse première image, mais là c'est vraiment un sujet très brûlant. Voilà, je passe la parole à Françoise Combes. Merci beaucoup. Donc en effet, je vais commencer par cette fameuse image que vous avez toujours tous vue sans doute le 10 avril, que c'était une grande première. Ce que vous voyez là, je ne sais pas s'il y a un pointeur que je peux peut-être pointer quelques petites... Mais bon... Je vais peut-être essayer comme ça, voilà. Donc, ce que vous voyez là, que vous avez vu dans les journaux probablement, c'est la nouvelle qui a été faite le 10 avril, qui a été obtenue par ce qu'on appelle le groupe Event Horizon Telescope. Qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de... un consortium... Ah, merci. Ok. Donc, c'est un groupe de personnes qui observent, en se servant d'une ligne de base très grande, qui est la Terre entière. Donc il y a des télescopes au Japon, des télescopes en Europe, des télescopes aux États-Unis, et ainsi on peut faire un interféromètre avec comme ligne de base 10 000 km, qui est le diamètre de la Terre. Et ainsi ça permet en radioastronomie d'obtenir une énorme résolution spatiale qui est de l'ordre de 50 micro-arcsecondes, un micro-seconde d'arc. Et donc c'est ce qu'on appelle Event Horizon, parce qu'en fait ce groupement a été fabriqué pour justement observer l'horizon du trou noir. Donc ce que vous voyez là, on va le décrire de plus en plus détaillé au cours de cette conférence, mais c'est le trou noir qu'il y a dans la galaxie Messier 87, qui est une galaxie dans l'amas de la Vierge, Virgo. Ici, vous voyez la taille, c'est tout petit, c'est une semaine-lumière. Ici, la galaxie fait des milliers d'années-lumière. On sait que c'est une galaxie active, le noyau est ici, elle émet un jet en radio, que vous voyez là, un jet qui est... beaucoup plus fort dans la direction de l'observateur parce qu'il est relativiste, donc il a les vitesses qui sont très fortes et puis qui a 2 lobes radio. Et quand on fait un zoom, on voit ce lobe radio qui sort. Et ça, c'est les particules. Alors, on voit pas le trou noir, évidemment, on voit l'image du trou noir, on voit l'image de l'ombre du trou noir. Ce que vous voyez au centre, c'est l'ombre. Pourquoi l'ombre ? On va en discuter. L'ombre, il est 4 fois plus grande que l'horizon. Et ce qu'on voit ici, puisque ce n'est pas le trou noir qu'on voit, c'est du gaz très chaud qui est ionisé, donc c'est un plasma qui tourne autour du trou noir, et on voit une asymétrie. L'asymétrie est due au fait que même si le disque est vu presque de face, il y a un côté qui est plus proche que l'autre, et ce côté vient vers nous, et donc il est plus lumineux parce qu'il vient vers nous. Donc on va le décrire au fur et à mesure, mais je voulais quand même le présenter en première page, ici, voilà. Non, c'est pas ça. Alors d'abord, je reviens aux sources donc pour expliquer qu'est-ce qu'un trou noir. Un trou noir, c'est une masse... alors on sait que la gravité n'est pas une force comme les autres. Newton avait dit que c'est une force qui varie en 1 sur R2, comme vous le savez tous. Mais Einstein, en 1915, a publié la fameuse relativité générale qui nous dit que la gravité est une déformation de l'espace. Donc vous avez sans doute l'habitude de voir cette représentation à 2 dimensions, de l'espace. On ne représente pas à 3 dimensions, ce serait beaucoup plus difficile, mais il faut se représenter un espace à 2 dimensions. Et donc l'espace est courbé. Dans l'équation d'Einstein, il relie la courbure de l'espace en fonction de toute la masse et l'énergie qu'il y a dans l'univers. Donc ici, vous avez par exemple une étoile qui est le Soleil, en bleu ici, et on voit que la gravité, la masse de l'étoile courbe l'espace. Alors évidemment, tous les corps qui vont comme une bille, par exemple, dans un petit tapis comme ça, elle va être déviée dans sa trajectoire, elle va suivre les lignes de plus grande pente. Donc on voit que la gravité, c'est ça, c'est un espace qui est déformé autour des corps, et donc les autres corps sont déformés, ont une orbite déformée. Alors maintenant, autour d'un corps ici, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir par rapport à ça ? C'est le trou noir, non seulement il fait une petite déviation, mais il fait un trou dans le tapis. Hein, c'est ça le trou noir. En fait, c'est ici, on a une singularité, donc on a un trou ici, c'est tellement compact. Alors un trou noir, c'est pas seulement la masse totale, c'est la compactification de la masse. Il y a des trous noirs de toute masse,
Donc, c'est pas la masse seulement qui compte, c'est le fait qu'elle soit très compacte. Alors, on peut définir, je présenterai pas d'équation vraiment, mais peut-être une seule, qui est celle-là, qui est de définir la vitesse d'échappement. La vitesse d'échappement par rapport à un corps, c'est de dire que l'énergie cinétique, qui par unité de masse, c'est 1/2 de V2, si vous voulez, l'énergie cinétique, c'est la vitesse au carré, elle va être égale à peu près à l'énergie potentielle qui, dans la loi de Newton, c'est Gm sur R. Donc, si on égale les deux, on a la vitesse d'échappement. Par exemple, à la Terre, c'est la vitesse qu'il faut imprimer à une fusée pour qu'elle décolle. Mais pour les trous noirs, on a un trou noir lorsque la vitesse d'échappement est égale à la vitesse de la lumière. Donc, à ce moment-là, même la lumière ne peut pas sortir puisque la vitesse d'échappement est plus grande que ça. Et comme aucun objet ne va plus vite que la vitesse de la lumière, aucun objet ne va sortir. Et surtout pas la lumière, donc c'est pourquoi on l'appelle trou noir, vu qu'aucune lumière ne peut en sortir. Et on peut donner des ordres de grandeur. Vous voyez qu'ici, quand on a le rayon de la vitesse ou de la masse, ici, quand on dit que la vitesse c'est C, on a tout de suite le rayon, et c'est le rayon limite à laquelle la lumière ne pourra pas sortir. Donc on appelle ça l'horizon, l'horizon du trou noir. Et c'est l'horizon des événements. On ne saura pas du tout ce qui se passe de l'autre côté de ce rayon, de cet horizon. D'où le nom Event Horizon Telescope, hein, pour ce qu'on a dit en première page. Donc ici, quand on met des ordres de grandeur, on voit que pour une masse solaire, un trou noir d'une masse solaire, c'est un rayon de 3 km. Vous voyez que le Soleil est loin d'être un trou noir, puisqu'il fait 700 000 km de rayon. Donc on est loin de là. Mais il y a des objets très 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 compacts. Et ces objets-là, en fait, ils sont représentés uniquement par deux quantités, leur masse et leur spin, parce qu'ils peuvent tourner sur eux-mêmes, donc c'est une rotation, mais rien d'autre. Toutes les autres masses compactifiées comme cela, rien ne les ressemble. Sur leur carte d'identité, il n'y a rien. Il n'y a pas de cheveux, comme on dit. Ils sont tous chauves. Alors, il y a deux sortes de trous noirs, et comme on a beaucoup parlé aussi ces dernières années des ondes gravitationnelles avec la fusion de deux trous noirs, on a surtout observé avec ces ondes gravitationnelles des trous noirs de masse stellaire. Donc on va définir les deux sortes de trous noirs que l'on trouve en astrophysique. Ce sont ceux qui sont la fin de vie d'une étoile. Lorsqu'une étoile en fin de vie explose en supernova, si le résidu, le cœur qui est au centre de l'étoile une fois que l'enveloppe a disparu, est supérieur à une certaine masse, qui est de l'ordre de 3,5 masses solaires, à ce moment-là, on a un trou noir. Avant, si c'était moins grand, on pourrait avoir une étoile à neutrons, un objet très condensé. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Pour l'instant, on a une masse limite du cœur qui doit donner donc une masse de trou noir. Alors ces trous noirs, on les connaît depuis longtemps, puisque évidemment, dans notre galaxie, vous avez 200 milliards d'étoiles. Et il y a beaucoup d'étoiles qui sont déjà mortes depuis longtemps. Donc on a des quelques milliards de trous noirs, de petits trous noirs qui sont dans notre galaxie, la Voie lactée. Et il y en a quelques-uns où l'explosion en supernova n'a pas perturbé la voisine. Alors vous savez que les étoiles, en majorité, vous avez des étoiles binaires. Elles ne sont pas toutes seules. Plus de la moitié des étoiles est étoile binaire. Donc lorsqu'il y a une qui explose, alors elles évoluent, les deux binaires, les étoiles évoluent différemment. Et il y en a une qui évolue plus vite, c'est la plus massive. À ce moment-là, elle explose. Et lorsqu'elles ne sont pas trop serrées, vous pouvez avoir deux compagnons. Et c'est comme ça qu'on les a détectés depuis déjà 20 ou 30 ans. On a vu qu'il y avait une étoile qui tournait autour d'un objet qu'on ne voyait pas. Et c'était un trou noir. Donc ça, on le sait, car on connaît la masse auquel tourne la binaire. Et donc, ça ne peut être qu'un trou noir. Par contre, on a aussi des trous noirs supermassifs. Alors, supermassif, ça veut dire de 1 million à 1 milliard de masses solaires. Et on sait que dans chaque galaxie, il y a un trou noir supermassif. Mais il n'y en a qu'un seul, il est au centre de la galaxie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est très massif et par décantation, il va toujours au centre. Par friction dynamique, il tombe toujours au centre. Et c'est au centre qu'il va avaler le plus de masse et puis grossir. Donc voici la masse pour... par exemple, 1 milliard de masses stellaires. Alors, on a vu que le trou noir dans Messier 87, qu'on a vu la première fois, était de 6,5 milliards. Donc, c'est vraiment de cette taille-là. Et à ce moment-là, on a l'horizon, qui était 3 km tout à l'heure. Maintenant, il est de 2 heures-lumière. Alors, je voudrais quand même signaler que, puisque le rayon est proportionnel à la masse, hein, on l'a montré avec cette équation, eh bien, la densité moyenne, elle va décroître. Hein. La densité moyenne, c'est la masse sur le rayon au cube. Si le rayon au cube, c'est proportionnel à la masse au cube, vous avez quelque chose qui va comme 1 sur M2, c'est-à-dire que plus le trou noir est massif, et plus sa densité moyenne est faible.
Ça, c'est très important puisque les forces de marée qui agissent sur un corps, par exemple, imaginez un astronaute qui essaie de tomber sur un trou noir pour aller le visiter. Alors, si c'est un petit trou noir, il va être complètement détruit par les forces de marée, même avant d'arriver à l'horizon. Il va être déchiré, etc., parce que la densité moyenne est très forte. Le trou noir d'un milliard de masse stellaire, eh bien, la densité est très, très basse, bien plus faible que celle de l'eau. Et donc, l'astronaute va rentrer dans l'horizon sans s'en apercevoir. Il ne sera pas déchiré du tout. Donc, ça, c'est important parce que les étoiles qui tombent dans le trou noir supermassif, comme ça, ne sont pas déchirées non plus. Donc, il y a une limite au-delà de laquelle les étoiles peuvent tomber sans manifestation lumineuse. Et là, il y a un plateau. Alors, on dessine justement ces trous noirs de cette façon. Pourquoi ? Alors, tout ce qu'on dessine en fausse couleur ici, c'est le disque d'accrétion qui tourne autour du trou noir. On a vu déjà l'image du trou noir. Alors ici, on a un trou noir et on a un disque d'accrétion qu'on a représenté vu par la tranche. Alors c'est vu par la tranche qu'il y a les effets les plus forts, en fait, les effets relativistes les plus forts. Donc les effets sont que la lumière qui est envoyée, elle est déviée par le trou noir. Le trou noir courbe les rayons lumineux. Et finalement, on voit aussi bien le disque derrière que le disque devant. Donc, si vous avez une plaque photo ou l'observateur, si vous voulez. Donc, vous voyez tous un petit peu comme un chapeau de Mexicain. Donc, au lieu de voir quelque chose par la tranche, donc ça devrait être une ligne, eh bien, vous voyez ce genre d'image ici. Ça, c'est le disque que l'on voit derrière et puis devant. Donc, le trou noir est ici. Alors, là, vous n'avez pas l'horizon. Pourquoi ? Vous avez vraiment l'ombre du trou noir. Que veut dire l'ombre du trou noir ? Mais si vous avez un rayon lumineux qui essaie de rentrer dans le trou noir, eh bien, il ne sortira plus. Donc, ça fait vraiment une ombre. Même si le trou noir est ponctuel, vous avez une taille qui est l'ombre du trou noir. Aucun rayon lumineux ne va passer. C'est vraiment une ombre, comme une ombre normale. Alors, ce que vous avez ici, c'est l'effet relativiste. Vous avez un côté qui est plus bleu parce qu'il vient vers vous et il a un boost de luminosité, un boost Doppler. Et quand vous voyez un petit peu cet effet plus lumineux d'un côté que de l'autre. Donc, il y a une asymétrie. Alors, on a fait beaucoup de films là-dessus. Par exemple, sur les lentilles gravitationnelles que produisent le trou noir. En fait, c'est une déformation de rayons lumineux. Par exemple, ici, vous avez la Voie lactée avec les nuages de Magellan, le gros nuage et le petit nuage. Et si vous placez entre nous et la Voie lactée, un petit trou noir de masse stellaire, donc comme il y en a des milliards, c'est très possible. À ce moment-là, on l'a placé assez près pour voir toutes ces images. Vous voyez que cette étoile-là va être double. Vous avez des mirages, c'est-à-dire que vous avez une image d'un côté et une image de l'autre. Donc, vous pouvez faire plusieurs images d'un même objet. Donc là, l'étoile va être double. Et puis, vous voyez la Voie lactée qui va être cette forme-là, d'un côté et de l'autre. Et puis, le nuage de Magellan qui va faire un arc. C'est comme un tesson de bouteille qui déforme tout ce qu'il voit derrière. Alors, on va étudier le trou noir qu'il y a dans notre galaxie, la Voie lactée, puisque c'est celui qu'on connaît le mieux. Il est très proche. Là, c'est une vue d'artiste de la Voie lactée, 100 000 années-lumière de taille, d'envergure, en optique. Donc, si c'est une photo d'artiste, puisqu'on ne peut pas voir notre galaxie par dessus, vue de face, on ne la voit que par la tranche. Et le Soleil est ici, donc il est à peu près à la moitié du rayon optique. Et ce qu'on voit, nous, c'est par la tranche. Donc ici, c'est une vue réelle et non pas une vue d'artiste ici. Donc le trou noir est au centre. Alors comment on peut le voir ? Eh bien, on est obligé d'aller en infrarouge pour le voir. Ce qu'on voit en optique, c'est ça. Vous avez l'habitude de le voir dans le ciel, par la nuit claire. Donc ce qu'on voit en noir, c'est la poussière interstellaire qui absorbe les rayonnements des étoiles derrière. Et donc, dans la direction du centre galactique, on ne voit rien du tout. On voit juste le bras spiral qui est tout près du Soleil, mais c'est tout. En infrarouge, ça veut dire 2 microns de longueur d'onde, on voit beaucoup plus à travers la poussière. Pourquoi ? Parce que les grains de poussière sont plutôt de la taille du 0,5 micron, c'est-à-dire la longueur d'onde optique. Donc, elle résonne et absorbe vraiment beaucoup la longueur d'onde optique. Par contre, à 2 microns de longueur d'onde, c'est beaucoup plus transparent. Donc, on le voit bien ici. C'est une vue fisheye, si vous voulez, de la Voie lactée. On a ici le bulbe avec un tout petit peu de poussière qui reste quand même. On voit la tranche de la galaxie. Et puis, va voir le trou noir qui est ici, si on s'approche. Alors ici, pour l'instant, on a encore une taille de 100 000 années-lumière. On va faire un zoom vers le centre.
un zoom avec une année-lumière seulement. Vous voyez que c'est une vue ici des étoiles qu'il y a dans le centre de la galaxie, faite avec le VLT, Very Large Telescope, au Chili. Le télescope européen, il y a 4 fois 8 mètres au Chili. Et donc on peut observer en infrarouge à 2 microns de longueur d'onde et on commence à voir les étoiles qui sont tout près du trou noir. Le trou noir étant au centre ici. Alors vous voyez pas mal d'étoiles. Maintenant on va essayer de faire un zoom encore plus, 20 jours-lumière. Donc on passe d'une année à 20 jours-lumière. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On commence à voir les étoiles une par une avec une tache de diffraction. La tache de diffraction qui est la taille d'un télescope de 8 mètres. Alors pour ce faire, on est obligé de corriger les effets de turbulence atmosphérique. Alors ici, c'est une petite animation qui vous montre ce qu'on voit. Hein, on a un système d'optique adaptative qui corrige les fluctuations, la turbulence de l'atmosphère, ce qu'on appelle le seeing en anglais, ou bien les scintillements, si vous voulez. Hein, les étoiles scintillent. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère turbule tout le temps. Et donc, si vous n'avez pas ce système d'optique adaptative, vous voyez que chaque étoile est un brouillard. Et puis ensuite, lorsque vous le mettez on, vous voyez chaque étoile qui devient la taille de diffraction du télescope. Si vous n'avez pas cette optique adaptative, vous avez la tâche de diffraction d'un télescope de 10 cm. Alors, c'est vraiment dommage, quand on a un télescope de 8 mètres, de ne pas avoir la résolution qui vous permet de voir étoiles une par une. Alors, une fois qu'on a pris cette optique adaptative, c'est-à-dire qu'on corrige la turbulence atmosphère, on peut voir l'étoile par étoile. Et donc, comme ces étoiles près du trou noir vont très vite, on a pu faire des films. Alors, vous voyez ici les moments où on a fait le film. Les dates sont ici de 2005 à 2010 ou 12. Il y a deux groupes qui ont fait ce genre d'études. C'est une étude à long terme, hein, il faut pencher plusieurs années. Il y a un groupe européen, à la fois entre Paris et Munich, allemand et franco-allemand, et puis un groupe en Californie, un groupe américain, alors soit avec le Very Large Telescope de l'ESO, soit avec le Keck qui est à Hawaï. Et donc ce que vous voyez ici, c'est les trajectoires des étoiles. Donc c'est un film réel, on a pris chaque étoile, et on voit toutes ces étoiles qui tournent autour du trou noir qui est ici, la croix, et on voit qu'elles ont des trajectoires à peu près keplériennes. Ce qui montre déjà que l'on est complètement sous l'influence du trou noir. On n'a plus du tout les trajectoires compliquées qui sont autour du bulbe de la galaxie. Alors là, je montre une image un petit peu plus sophistiquée qui est l'image de Gravity. C'est une collaboration faite autour de l'interférométrie infrarouge entre les 4 grands télescopes de 8 mètres du VLT qui a commencé à donner ses premiers résultats l'an dernier. Donc, Gravité est une machine très très complexe qui permet. C'est très difficile de faire de l'interférométrie en infrarouge. C'est plus facile en radioastronomie. On va voir avec le Event Horizon Telescope. Mais en infrarouge, l'atmosphère est très turbulente, très instable. Même avec l'optique adaptative, on arrive difficilement à rendre cohérent tous les rayons lumineux qui arrivent avec une ligne de base de quelques dizaines ou centaines de mètres. C'est très très difficile, beaucoup plus facile en radioastronomie. Donc là, ce qu'ils ont fait avec Gravity, ils ont essayé de combiner, et c'est un instrument qui fait la corrélation entre les 4 télescopes de 8 mètres et qui permet d'avoir encore plus de résolution. Alors ce que vous voyez là, c'est une trajectoire autour du trou noir de notre propre galaxie qu'on appelle Sagittarius A star. Et en fait, la trajectoire, comme on l'a vu, elle a une période d'une vingtaine d'années. Donc l'an dernier, cette étoile S2, qui est la plus proche du trou noir, elle arrivait à son péricentre ici, et on espérait avoir des effets relativistes. Et c'est ça qui a permis de progresser en fait dans notre connaissance de la gravité, de confirmer en fait, on va voir la théorie d'Einstein. Alors ce que vous voyez ici, c'est en fonction des années. Donc 2020, c'est une extrapolation, mais on est en 2018 ici là, quand on a fait ce schéma. Et donc on voit que la vitesse obtenue par cette étoile à son péricentre est de 4000 km par seconde, ce qui est assez élevé. Pour donner une image, le Soleil tourne autour de la Voie lactée avec 200 km par seconde. En général, 200, c'est déjà pas mal, mais c'est quand même les vitesses moyennes. Ici, on a 4000 km par seconde. Et vous voyez comment les observations ont été faites au mois de mai 2018. Et on a pu, avec ça, remarquer que la gravité d'Einstein était complètement confirmée
même en champ fort au niveau du trou noir. Alors, ce qu'on a pu voir aussi avec gravité, et c'est le petit schéma qui est ici, c'est le disque d'accrétion qui tourne et qui fait des sursauts. On appelle ça des flashs. Alors, ce que vous voyez ici, c'est justement un film réel. Ce que vous voyez, c'est toutes les étoiles qui sont toujours en train de scintiller, malgré l'optique adaptative, malgré la correction que l'on fait de la turbulence de l'atmosphère. Même à 2 microns, on arrive à encore avoir un tout petit peu de scintillation des étoiles. Donc tout ça, c'est l'atmosphère. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est ça. Vous voyez qu'autour du trou noir, on a un flash. Et ce flash arrive, tourne à peu près avec une période d'une demi-heure. Et donc le flash arrive tous les quarts d'heure. En fait, il y a un flash, c'est dur un quart d'heure, et puis ensuite, ça s'éteint, ça passe de l'autre côté. Donc ça, c'est connu depuis un certain temps. Il y a des périodes à flash, hein, c'est pas tout le temps. Donc dès qu'on a une période, on le regarde. Et donc là, ils l'ont vu l'an dernier, en mai. Là, c'était au départ, cette photo est faite en mai 2013, mais 2003, mais celle-ci est faite en 2018. Donc ce que vous voyez, c'est on a pu avoir la trajectoire, ici c'est des micro-arcs-secondes, hein, la trajectoire de certains flashs. Alors, tous ces flashs-là sont notés avec des points rouges, bleus, etc. Il y a beaucoup de barres d'erreur, évidemment, hein, vu la taille microscopique, mais on voit que, finalement, quand on fait un FIT, on a une trajectoire qui est presque vue de face, en fait. Et ça, c'est très embêtant. On a fait tout à l'heure des photos de chapeaux mexicains, comme si le disque d'accrétion était vu par la tranche. En fait, même dans la Voie lactée, il est vu pratiquement de face. Pas tout à fait de face, de 20 degrés d'inclinaison, mais on n'a pas les effets relativistes attendus, vu que les vitesses sont dans le plan du ciel et non pas vers vous. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais enfin, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a pu confirmer tout à fait ce qu'on attendait. Et on a ce disque d'accrétion qui tourne autour. Alors là, c'est encore plus proche que l'étoile la plus proche qu'on a vue, tout à fait, de l'heure S2. C'est beaucoup plus proche, c'est le disque d'accrétion et qui tourne autour du trou noir. Alors vous allez me dire, on a fait l'image en radioastronomie, mais pas du trou noir de notre propre galaxie. Alors pourquoi le 10 avril, on a eu cette superbe image qui était vraiment une première, et c'était autour de Messier 87 dans l'amas de Virgo. Alors c'est très loin, hein, c'est à 17 mégaparsecs, donc on multiplie par 3, ça fait 60 millions d'années-lumière. Donc 60 millions, c'est très loin par rapport à 10 000 années-lumière qu'il y a au centre de la galaxie. Mais pourquoi ? Eh bien parce que le trou noir dans notre propre galaxie ne fait que 4 millions de masses solaires, alors que celui-ci fait 6,5 milliards. Donc il est presque 2000 fois plus massif, et il est 2000 fois plus loin aussi. Les deux se compensent. Donc on a une taille d'horizon qui, comme il est 2000 fois plus massif, va être 2000 fois plus grande. Mais comme vous êtes plus loin, la taille angulaire, on le voit avec le même angle, hein, de 2000 fois plus loin et 2000 fois plus grand. Donc l'angle est le même. Et en fait, c'est une question d'angle auquel on est sensible. Donc 50 ou 40 micro-arcs-secondes, et c'est la même taille, que ce soit le centre de notre galaxie ou celui de Messier 87. Et donc, ils ont regardé celui de Messier 87. Vous voyez qu'il y a une semaine-lumière ici. Et pourquoi il n'est pas possible ? Alors, eux, ils peuvent faire des images, parce que c'est en radioastronomie. Je vous ai parlé de longueur d'onde qui est des 1 mm. C'est des micro-ondes, si vous voulez, 1 mm. Et pourquoi on est arrivé que cette année à le faire ? C'est qu'on fait l'interférométrie à grande base en radioastronomie depuis 10 ou 20 ans, mais on le fait en centimétrique, où on commence à monter en longueur d'onde jusqu'à 3 mm, monter en énergie. Et au bout de 3 mm à 1 mm, on a des problèmes d'atmosphère encore. On arrive difficilement à interférer, rendre cohérent les photons qui arrivent au Japon et les photons qui arrivent en Europe. C'est très difficile. Donc là, ils ont commencé en 2017. Ils ont mis 2 ans à trouver un peu une plage de temps où les photons étaient cohérents. Et d'abord, il faut qu'il fasse beau dans les deux sites. Et ensuite, il faut que l'atmosphère soit pas trop turbulente. Et à 3 mm ou à centimétrique, il y a quelque chose d'intrinsèquement difficile. C'est la scintillation interstellaire. Alors là, on pourra rien y faire. C'est le milieu plasma qu'il y a entre les étoiles dans la galaxie et qui brouille à nouveau. Un petit peu comme en optique, c'est l'atmosphère qui turbule. Et là, c'est la scintillation interstellaire du gaz qui est entre les étoiles, et là, on ne pourra rien faire. Donc, il faut absolument monter en énergie et arriver à 1 mm. Et là, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a pu faire cet exploit. Donc, ça ne va pas être répété plusieurs fois. On va peut-être essayer de monter encore en énergie, mais c'est quand même assez difficile.
Donc ici, on s'attendait peut-être à ce qu'il regarde aussi le centre de la galaxie. Et le gros problème, c'est que les périodes, elles sont aussi différentes. Elles sont proportionnelles à la masse. Donc le disque d'accrétion tourne en 30 minutes dans notre propre galaxie. Et il tourne en 2 mois à peu près, hein, 50 jours, dans Messier 87. Donc vous voyez que si on suit un tout petit morceau de gaz, comme vous avez ici, ça c'est du gaz. Alors ce sont des fausses couleurs, bien sûr, hein, c'est du gaz ionisé. Et la couleur donne la brillance. C'est de la radioastronomie, donc ce n'est pas du visible, donc on ne voit aucune couleur. Mais ce qu'on voit ici, c'est un tout petit bout, un nuage de gaz, si vous voulez, qui se déplace. Et à ce moment-là, il va mettre 2 mois à se déplacer. Donc quand on fait l'expérience, on a le temps, on a au moins un quart d'heure pour calibrer son appareil, puis un quart d'heure pour le voir, puis regarder si pendant les jours qui suivent, là, ils ont regardé pendant 3 jours, si on arrivait à trouver des espaces de cohérence du rayon lumineux. Et quand on regarde le centre de la galaxie, au bout d'un quart d'heure, on n'a plus rien. Donc on n'arrive pas à faire l'expérience, on n'arrive pas à rendre cohérents les rayons lumineux, ou alors il faudrait attendre des jours et des jours pour qu'on trouve quelques secondes. Donc voilà pourquoi en radioastronomie, donc avec ce télescope qui fait la base de la Terre, la taille de la Terre, on a pu regarder que des objets qui sont très très lointains, très très massifs. On a pu confirmer que la masse était 6,5 milliards de masses solaires. Et on a pu aussi regarder le spin, regarder à quelle vitesse tourne le trou noir. Alors dans la Voie lactée, on n'y arrive pas parce que on a la taille en microarcseconde ici et la période. Et vous voyez que on a trouvé le gaz qui tourne autour du trou noir. Il se trouve dans cette zone-là. Et pour savoir si le trou noir est en rotation ou pas, il faudrait avoir un disque d'accrétion qui soit plus petit. Quand il y a une rotation du trou noir, on peut s'approcher beaucoup plus du trou noir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une force centrifuge qui vous repousse. Donc on peut s'approcher 6 fois plus près. Donc on s'attend à trouver de la matière qui tourne autour du trou noir 6 fois plus près que si le trou noir ne tournait pas. Et ça, on a envie de le voir, mais malchance, on ne l'a toujours pas encore vu. Alors pour celui de Messier 87, hein, que vous voyez ici encore à nouveau, eh bien ce sont des simulations. Alors, on voit qu'on retrouve à peu près ce qu'on a vu, l'image de l'ombre du trou noir. Si le trou noir tourne, alors ici, l'observateur est là. Le trou noir, c'est la flèche noire. Le trou noir va tourner dans un sens. En fait, c'est plutôt celui des aiguilles d'une montre, si vous voulez, par rapport à nous. Et puis, on fait une simulation avec le disque d'accrétion qui tourne dans l'autre sens. En fait, on n'en sait rien s'il tourne dans le même sens que le trou noir. Pourquoi ? Parce que le disque d'accrétion, c'est quoi ? C'est de la matière qui tombe, mais c'est très éphémère. Une fois qu'elle est accrétée, et on va attendre qu'il en tombe d'autres. Alors ça peut être du gaz qui tombe, ou ça peut être une étoile qui va être déformée, qui va perdre un peu sa structure, qui va redevenir gaz et qui va tourner autour. Et selon le moment angulaire ou selon l'angle à laquelle elle arrive, elle peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Alors vous me direz, au bout d'un moment, vous avez un effet relativiste qui fait que lorsque le trou noir tourne, il entraîne le repère, tout l'espace autour de lui dans sa rotation. Donc au bout d'un moment, le disque d'accrétion va aussi changer de sens. Mais ça s'il ne tourne pas dans le même sens, ça veut dire qu'il vient d'arriver. Donc on a déjà une contrainte sur l'histoire de ce disque d'accrétion. Alors pour l'instant, on en est là, on a cette vue-là. On sait que le trou noir ne tourne pas vers nous, puisque sinon on verrait ça. Mais c'est tout ce qu'on sait. On sait qu'il y a une rotation. On a pu mettre une barre d'erreur. Mais on a quand même appris beaucoup de choses, mais on n'a pas encore tout. Donc on a encore des travaux à faire. Alors on a quand même trouvé autour du trou noir de notre propre galaxie, vers 2011, on a trouvé un phénomène particulier on est habitué à voir des étoiles qui tournent autour du trou noir, mais là on a vu un nuage de gaz. Alors comment on sait que c'est un nuage de gaz ? C'est qu'il avait des raies d'émission. En général, les étoiles n'ont pas de gaz, non pas des raies d'hydrogène, les raies de Balmer, par exemple. Et on avait des raies d'émission, donc c'était la signature d'un gaz d'hydrogène, qui se recombine. Et donc, ici, on a à peu près la vitesse du gaz en fonction de sa distance au trou noir. Et on voit qu'en fonction du temps, ici 2008-2011, il passait à une plus grande vitesse, tout d'un coup, 2000. Et on a essayé de retrouver la trajectoire de ce gaz. Donc, on l'a vu ici. C'était la reconstitution de l'orbite. Donc en 2011, on l'a découvert, mais sans doute, ça,
sa période devait faire 137 ans, donc on avait de la chance de se retrouver ici et de le voir arriver. Et donc il arrive de plus en plus vite, il va passer au péricentre, et donc tout le monde s'est un petit peu excité, c'est formidable, il tombe du gaz sur le trou noir. Que va-t-il se passer? Ben, le gaz, lui, il n'a pas une cohérence comme les étoiles, il va se déchirer par les effets de marée. Et voici les simulations numériques qui étaient prévues. Donc ça veut dire que du gaz va arriver sur le trou noir, on va donc avoir une activité, un feu d'artifice qui va se produire, même si la masse de gaz était très petite, hein, c'était 10-5 fois la masse du Soleil, donc quelque chose comme plus petite que la masse de la Terre. Mais quand même, ça fait quand même beaucoup d'énergie qui va pouvoir être rayonnée. Donc tout le monde s'est précipité pour observer à la date précise ce qu'il arrivait avec ce nuage de gaz. Malheureusement, quand en 2013, eh ben, le nuage de gaz il s'est retrouvé intact de l'autre côté. Surprise, alors pourquoi? Eh bien, sans doute, ce n'était pas qu'un nuage de gaz. Peut-être il y avait une étoile à l'intérieur. Peut-être c'était une enveloppe de gaz autour d'une étoile, donc l'enveloppe circumstellaire. Et l'étoile donne la cohérence au gaz et il n'est pas détruit par les effets de marée. Et il reste de l'autre côté. Donc finalement, on n'a rien vu. Dommage. Alors qu'est-ce qui peut encore se passer avec le trou noir de notre galaxie? Eh bien, ce qu'on peut prédire, mais avec une plus grande échelle, c'est la collision entre deux galaxies. Et la galaxie spirale la plus proche, c'est Andromède, comme vous le savez. Donc, on a un trou noir dans Andromède qui est bien plus grand que celui de la galaxie. Il est 30 fois plus grand, 30 fois plus massif. Pourquoi? Parce que Andromède est une galaxie qui a une masse à peu près comparable, mais elle a un bulbe beaucoup plus gros que la nôtre. Et la masse du trou noir est proportionnelle à la masse du bulbe. Donc on a un trou noir de 30 fois plus de masse. Donc qu'arrive-t-il lorsque deux galaxies sont en collision? Eh bien, on va former une galaxie, une troisième galaxie un peu plus elliptique. Mais surtout, lorsque les galaxies, ici c'est une simulation, lorsque les galaxies vont fusionner, bien, les trous noirs au centre vont fusionner aussi. Alors ça, c'est la simulation de deux trous noirs supermassifs qui vont fusionner. Et on va former des ondes gravitationnelles assez importantes. Alors là, je le mentionne parce que justement, ces ondes gravitationnelles, on les a détectées. Donc maintenant, ce n'est plus seulement l'espoir d'en détecter, c'est vraiment une science qu'on fait tous les jours. Vous le savez, en 2015, on a détecté la première onde gravitationnelle. Onde gravitationnelle, c'est quoi? Simplement que la gravité, comme on l'a vu au début, c'est une déformation de l'espace. Et si cette déformation bouge, parce qu'il y a une collision entre deux trous noirs, par exemple, eh bien, cette déformation de l'espace va se propager. Elle se propage en fonction d'ondes. Et dans cette onde, c'est pas une onde électromagnétique, c'est pas un signal lumineux, il y a rien du tout. C'est simplement une onde de la déformation de l'espace. Donc c'est une onde d'un autre type. Alors comment on le mesure, cette onde, hein? C'est par des interféromètres. Ce qu'il faut faire, c'est mesurer une très petite différence de taille entre deux directions. Il y a une onde qui se précipite, ça va déformer l'espace, on aura une distance dans un sens qui sera un petit peu plus grande que l'autre. Alors évidemment, ce sont des toutes petites différences de distance. Donc on prend un interféromètre entre un laser que l'on envoie par un petit miroir se réfléchir ici et puis ensuite se recombiner. Donc ces deux-là, on va mesurer la taille de ce bras de levier ici et on va comparer avec cette taille-là. Si les tailles sont exactement identiques, on aura une interférence nulle, donc on aura zéro. Et si tout d'un coup, cet espace se dilate sous l'effet de l'onde gravitationnelle, eh bien, on aura un tout petit effet, donc on va avoir une lumière, une frange lumineuse. Et c'est ainsi qu'on a pu faire cette expérience, hein. Voici beaucoup exagéré les différences de taille qui sont imprimées par l'onde gravitationnelle sur les deux branches de l'interféromètre. Et voyez qu'au lieu d'une interférence zéro, on va mesurer une interférence lumineuse. Alors évidemment, c'est très simplifié. En fait, il faut se rendre compte de l'exploit qu'a été cette expérience, qui a été faite par LIGO, qui est un observatoire, donc Laser Interferometry Gravitational Wave, ici, LIGO, aux États-Unis et aussi en Europe, Virgo, qui est franco-italien, est situé à Pise. Donc, vous voyez que les bras de l'interféromètre, ils font 4 km. Alors c'est un tout petit peu petit par rapport aux longueurs d'onde qu'on voudrait mesurer, qui sont 1000 fois plus grandes, mais on compense en faisant
des réflexions dans la cavité. On peut faire 1000 réflexions. Donc, au lieu de 4 km, c'est comme si on avait parcouru 4000 km. Et pour cela, il faut des miroirs qui sont parfaitement réfléchissants, qui ne perdent pas de lumière à la réflexion. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il faut aussi que les miroirs ne soient pas sensibles à n'importe quelle petite onde sismique ou bien vibration d'un métro quelque part ou d'un camion. Donc, tout ça, on le met, les miroirs, sur des fils qui amortissent énormément. Et on a pu détecter une petite différence de taille de 10-18 mètres. C'est encore plus petit que la taille d'un proton. C'est extrêmement petit, donc c'est pour vous montrer un petit peu l'exploit qui a été réalisé. Alors voici une de ces premières détections d'ondes gravitationnelles. Vous voyez un petit peu en fonction du temps. Alors les premières qui ont été détectées en 2015, c'était des trous noirs assez massifs, hein, de taille stellaire évidemment, mais plutôt de 30 masses stellaires. Donc assez gros. Et donc le temps de fusion, vous voyez un petit peu ici, c'est 0,3 secondes. Il faut être très rapide pour le voir. Hein. 0,3 secondes. Vous voyez, en fonction du temps, on voit que ça commence à être assez fort et puis ça se renforce lorsque les deux trous noirs fusionnent. Et on a aussi une différence de fréquence. On a des fréquences basses, puis ensuite des fréquences hautes. C'est pour ça que si on met en fonction du temps, on a un petit chirp, comme un petit oiseau qui fait cuicui, si vous voulez. Et comment sait-on que c'est vraiment la fusion de deux trous noirs, vous allez me dire? Eh bien, on a quand même c'est pas du bruit. Pourquoi? Parce qu'on a une corrélation. Ici, on a un interféromètre qui était ici, aux États-Unis, hein, près de Washington, de l'État de Washington, ici en Floride. Et l'onde gravitationnelle qui va à la vitesse de la lumière, et on va voir qu'on l'a vérifié, cela, eh bien, elle met 10 millisecondes entre ces deux, et on a vu exactement le même signal à 10 millisecondes après. Donc il y a une corrélation et il y a aussi toute une bibliothèque de simulations en fonction de la masse relative des deux trous noirs, de la distance, etc. Et dans cette bibliothèque, on fait une corrélation entre les signaux observés et les signaux de la bibliothèque et on en déduit quelle est la masse des trous noirs. Alors le premier, c'était vraiment une masse assez grande, 29 et 36, les deux masses des trous noirs qui ont fusionné et qui ont donné ces ondes gravitationnelles. Et à la fin, on avait une somme. Alors vous allez me dire, la somme des deux, ça fait 65. Mais en fait, non. À la fin, on avait fusionné dans une étoile qui faisait 62. Enfin, une étoile, un trou noir, hein, qui fait 62 masses solaires. Donc on a perdu 3 masses solaires. Alors d'où viennent, enfin, où sont parties ces 3 masses solaires enveloppées, parties en fumée en 0,3 secondes? Eh bien, c'est justement l'énergie de l'onde gravitationnelle qui a dépensé cette masse-là. MC2, il faut au moins cette énergie-là pour déformer l'espace tout autour, sur des milliers d'années-lumière. Alors il y a maintenant quelques dizaines maintenant de fusions d'objets compacts comme ça qui ont été détectés. Alors aujourd'hui, il y a une troisième vague d'observations et ils en observent une par semaine. Donc c'est quand même quelque chose qui devient une industrie. Il y a les événements de fusion d'étoiles à neutrons qui donnent aussi des ondes gravitationnelles. Et ça, c'est encore plus intéressant, c'est plus rare, mais c'est plus intéressant car tout n'est pas perdu dans le trou noir. Hein, dans la fusion de trou noir, on ne voit rien du tout, il n'y a que l'onde gravitationnelle, s'il n'y a rien autour, s'il n'y a pas de gaz autour. Par contre, les étoiles à neutrons, il n'y a pas encore d'érosion des événements, donc on voit tout et on peut avoir des ondes électromagnétiques. Et c'est ce qu'on a vu lorsqu'on a eu en 2017, deux étoiles à neutrons qui ont fusionné. On a identifié la galaxie dans laquelle ces deux étoiles à neutrons étaient. Et on a vu comme une kilonova. Une kilonova, qu'est-ce que c'est? C'est trois ordres de grandeur plus grand qu'une nova. C'est quand même plus petit qu'une supernova. Donc il y a tous les étages entre. Et les kilonovas, c'est donc cet événement-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a observé cet événement en toutes les longueurs d'onde, optique, infrarouge, radio, etc. Et on a pu mesurer la vitesse des ondes gravitationnelles. Alors pourquoi? Parce que il a fallu 130 millions d'années pour que ce signal nous parvienne. Et on a reçu les ondes gravitationnelles et les ondes électromagnétiques à quelques secondes près. Alors évidemment, on ne sait pas exactement d'où ils viennent de cette direction-là. Mais même à 10 secondes près, ça nous fait une différence des ondes gravitationnelles sur les ondes de la lumière qui est de 10-15, donc une précision énorme sur la vitesse des ondes gravitationnelles qui, on peut le dire, aujourd'hui, c'est vraiment la vitesse de la lumière. Il y a bien des théories
de gravité modifiée, des théories au-delà de celles d'Einstein, qui essaient justement, par exemple, d'expliquer la matière noire, l'énergie noire et tout le secteur noir de l'univers. On se demande s'il ne s'agit pas de gravité modifiée. Donc il y a énormément de théories de gravité modifiée. Il y en a au moins la moitié qui prédisaient que la vitesse des ondes gravitationnelles ne serait pas la vitesse de la lumière. Et donc toutes ces théories sont déjà éliminées, rien que par une observation. Donc c'est quand même très très utile. Il en reste encore des théories de gravité modifiée qui prédisent que la vitesse des ondes gravitationnelles est la vitesse de la lumière. Donc on n'est pas encore à court de théories. Donc quand on regarde un petit peu à la fin des deux périodes d'observation de LIGO-Virgo, quelles étaient toutes les masses qu'on avait dans le cimetière des étoiles, c'est-à-dire l'étoile à neutrons et l'étoile à trous noirs, on voit qu'il y en a qui étaient très massives, ça va jusqu'à 40-80, vous voyez, un petit peu. Ici, c'est les deux trous noirs, en bleu, ce sont les trous noirs, hein. Ici, en jaune, l'étoile à neutrons. Ici, on a deux trous noirs qui en deviennent un plus gros, et on a des masses assez fortes. On s'attendait à en trouver plutôt de l'ordre de 5-10 masses solaires. On a vu toutes ces grosses masses. À un moment donné, on s'est demandé pourquoi. En fait, c'est un biais de sélection. Les plus grosses sont plus faciles à observer, et donc on voit les plus grosses en premier. Mais il y en a sans doute un grand nombre, et on va commencer maintenant à les voir, qui sont ici. Alors, celles qu'on voit en violet, c'est celles qu'on connaissait indirectement, pas par les ondes gravitationnelles, mais par des trous noirs binaires dont je parlais au début et qui émettent des rayons X. Alors, toutes celles-là, on avait la masse ici, elles étaient plus petites. Alors, elles sont plus petites simplement par un biais observationnel, hein, on n'avait pas la même sélection. Et puis, ici, on a toutes ces étoiles à neutrons qui pourraient se trouver. Alors, maintenant, je reviens à ces trous noirs supermassifs dont on a fait l'image, dont on a fait l'ombre du trou noir. Et comment on les connaît mieux? En fait, on les connaît mieux parce que c'est l'origine du quasar. Alors, quand le quasar a été détecté pour la première fois, c'était par Martin Schmidt, que vous voyez là. Martin Schmidt est toujours contemporain, il est toujours ici. Il a fait la une du Time parce qu'il a découvert ça. Alors, pourquoi il a eu une idée de génie, en fait, Martin Schmidt? C'est on connaissait d'un côté ce qu'on appelait quasar, c'est-à-dire des quasi-étoiles, quasi-stars, des astres ponctuels, dont, quand on regarde le spectre, hein, le spectre est un petit peu le code-barre, si vous voulez, le spectre, on ne reconnaissait pas du tout les raies habituelles. Dans la raie du Soleil, on a la raie de l'hélium, on a d'autres éléments, à des places bien particulières, et là, on ne reconnaissait rien du tout. Donc, c'est un objet assez mystérieux, et en plus, ça correspondait à des sources radio, avec des jets radio, mais on ne comprenait pas du tout. Et puis, Martin Schmidt a eu l'idée de décaler vers le rouge et de voir qu'on retrouvait les raies, mais elles étaient très décalées. Donc, alors à l'époque, c'était un décalage, on appelle Z le décalage vers le rouge, c'est-à-dire lambda observé moins lambda au repos, hein, sur lambda au repos, c'est le décalage relatif. Et ce décalage, il était de 0,158. À l'époque, c'était énorme. Aujourd'hui, on a de Z, le décalage vers le rouge, qui sont de 6, 7, 8, 9, 10, hein. Mais ici, c'était des objets qui étaient à 2 milliards d'années-lumière de nous. Donc, personne n'avait eu l'idée de décaler vers le rouge tant que ça. Alors, qu'est-ce que sont ces objets? Eh bien, ces sources ponctuelles qui peuvent rayonner énormément, de façon ponctuelle, eh bien, c'est le centre de galaxies. C'est justement les trous noirs supermassifs qui ont ce... Alors, on ne le voyait pas. Vous voyez que le quasar, quand il est lumineux, il est bien plus lumineux que toute la galaxie réunie. C'est pour ça qu'on ne voyait pas la galaxie. Ici, on a maintenant une image faite avec le Hubble Space Telescope, donc quelque chose qui a plus de résolution spatiale. Et on peut retirer la réponse de l'appareil pour une source ponctuelle. Donc vous pouvez soustraire le quasar, si vous voulez. Alors il y a un petit défaut de soustraction, c'est pour ça que ça devient noir. Ça, c'est un petit défaut, mais ce qu'on voit, en tout cas, c'est la galaxie dessous. Donc, on peut prouver aujourd'hui, mais ce qu'on ne pouvait pas prouver à l'époque, qu'il y a bien une galaxie dans chaque quasar lumineux, mais certains quasars, comme celui-ci, pouvaient rayonner 1000 fois plus que toute la galaxie réunie, c'est-à-dire que toutes les 200 milliards d'étoiles. Donc, ils dominent complètement le rayonnement d'une galaxie. Alors, cette galaxie, justement, 3C273, la première quasar qui a été vue, il émet un petit jet, là. Vous voyez, on pensait que c'était peut-être un défaut de la plaque, etc. Mais non, pas du tout. En optique, il émet un petit jet. Et puis, on voit que ça correspond aussi à un jet radio,
qu'on peut regarder avec l'interféromètre de taille de terrestre, et on voit qu'il y a des contours radio qui correspondent au G. Alors c'est vraiment une éjection que fait le quasar. Ici, vous avez encore à nouveau ce qui est observé en optique avec le Hubble Space Telescope, ici. Vous avez comme des petits grumeaux. Avec Chandra, Chandra, c'est un satellite en rayon X. Donc, on va toute la gamme des fréquences, entre de la radioastronomie, de l'optique, de l'infrarouge, jusqu'aux rayons X. On a un G. Alors, ce G, c'est quoi? C'est un plasma, un particule ionisée, électron, proton, qui sont éjectés par ce trou noir. C'est pour ça qu'on va les appeler gloutons, parce qu'en fait, ils veulent tout avaler, mais ils sont obligés de rejeter leur nourriture tellement ils sont trop gourmands. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a un trou noir qui avale de la matière, il en rejette aussi. Ici, il en rejette pas mal. En radioastronomie, Merlin, c'est un interféromètre radio qui permet de voir aussi les électrons émettre du synchrotron, ces émissions synchrotron en radio. Ce qu'on voit, c'est que quand même, en rayons X, donc quelque chose qui est très énergique, les électrons perdent d'abord beaucoup d'énergie, puis ensuite, ils se retrouvent avec une énergie plus basse et ils émettent en radio plus loin. Donc, on voit une petite gradation. Et alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de savoir à quelle vitesse ils allaient. Donc, comme ils vont assez vite, on peut faire des mouvements propres. On le voit bouger dans le ciel, hein, même s'ils sont très loin de nous. Alors ici, on voit qu'il y a plusieurs petits clumps. Et donc, ici, vous voyez pas tout à fait la date, mais il y a 1998, 1999. Donc, en l'espace d'un an, on a vu tous ces petits points bouger. Alors, quelle est la vitesse? Et bien, surprise, ils vont 10 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Donc là, ça a été une grande surprise quand on a vu ça. Pratiquement tous les jets radio vont plus vite. Ici, vous avez 20 à 80, c'est-à-dire 60 années lumière. Et ici, 92 à 98, c'est 6 années. Donc en 6 années, ils ont parcouru 60 années lumière. Donc ça fait bien 10 fois la vitesse de la lumière. Alors pourquoi? Et bien, on a mis un certain temps à comprendre un peu ce qui se passait, parce qu'en fait, vous avez ici, c'est une interférométrie, on a évidemment beaucoup de résolution. On n'a pas de précision sur la position en absolu, mais en relatif seulement. Donc ce qu'on voit, c'est un petit nuage qui s'en va à partir de l'autre en relatif, il s'éloigne de l'autre avec une certaine vitesse qui va très vite. Et alors, on a représenté ici un nuage en A et un nuage en B qui tous se rapprochent de l'observateur. Et le gros problème, hein, j'ai écrit ici quelques petites équations, mais en fait c'est pas. Je vais essayer de le dire en trois mots. Le gros problème, c'est que la vitesse est très proche de la vitesse de la lumière, la vitesse de ces particules ionisées. Elle est très proche, évidemment, elle n'est pas supérieure, puisque personne ne va plus vite que C. Mais le fait est que ce qui est le rayonnement émis par A vers l'observateur, qui est représenté par le télescope ici, il a pris du retard parce que B, il s'est avancé vers nous et l'espace qu'il a à parcourir est plus petit. Donc B est en avance par rapport à A. C'est uniquement cet effet qui, lorsqu'il envoie un rayon lumineux, ben, il va plus vite, fatalement, puisqu'il a moins de chemin à parcourir. D'accord ? Donc l'instant apparent, c'est qu'il faut prendre non seulement le temps que met le rayonnement de A à nous parvenir, mais moins le retard qu'il a pris, c'est-à-dire X, la distance ici, sur C, puisqu'il va, le rayonnement qu'il émet va à la vitesse de la lumière. Et donc, si vous retirez ce X sur C, c'est ça qui est le grand point. Et vous avez une vitesse apparente. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un dénominateur, un certain bêta. Bêta, c'est V sur C, dans la détermination relativiste. Et puis, ce cosinus θ, il faut que θ soit petit quand même pour qu'il arrive vers vous. Et à ce moment-là, tout ça, cosinus θ près de 1, bêta est près de 1, donc ça va faire presque 0, ce dénominateur. Et V apparent peut être très très grand, infini. En général, c'est 10 fois la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce qu'on a un θ qui est assez petit et bêta qui est assez proche de C. Donc finalement, on a un effet de Doppler vers vous et aussi un effet du fait que les objets qui se rapprochent ont déjà pris de l'avance par rapport aux objets plus derrière. Donc ce qu'on a vu aussi dans ces quasars, donc ces trous noirs supermassifs qui éjectent là, comme on le voit, c'est que les jets radio sont très très collimatés, comme on le voit ici, et vont à des distances qui sont bien plus grandes que la taille de la galaxie. Ici vous avez en blanc la taille d'une galaxie, ici ça fait 88 000 années-lumière, c'est bien plus grand que la taille d'une galaxie. Alors quelle est l'énergie
Pourquoi on peut envoyer un jet avec des énergies relativistes sur des tailles qui sont bien plus grandes que la taille d'une galaxie ? Eh bien, tout ça vient du fait qu'on est capable de prendre de l'énergie sur le trou noir. Alors, pourquoi on prend de l'énergie au trou noir ? C'est que le trou noir est en rotation. Et c'est cette rotation-là, l'énergie dans la rotation, qu'on va lui prendre. Comment c'est possible ? Alors, quand un trou noir est en rotation, il n'a pas un horizon tout à fait symétrique, comme une sphère, autour du trou noir, mais on a ce qu'on appelle une ergosphère. Par force centrifuge, intuitivement, c'est facile à voir. Quand on est près de l'équateur, on va avoir un gonflement de cette sphère. On va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc, on a cette ergosphère. Et une particule qui arrive dans cette ergosphère, donc il n'est pas encore dans l'horizon, eh bien, elle peut arriver avec un moment de rotation qui est opposé à celui du trou noir. À ce moment-là, elle peut être une partie tombée sur le trou noir. Elle va freiner la rotation du trou noir puisqu'elle arrive avec une rotation inverse. Donc, on va sommer les moments cinétiques. On va freiner le trou noir et le trou noir aura beaucoup moins d'énergie. L'énergie cinétique du trou noir, c'est le quart de son énergie en MC2. Donc, on va pouvoir prendre le quart de son énergie en le ralentissant. Donc, la particule qui est éjectée, elle va être éjectée avec beaucoup d'énergie et ça va être une partie du jet. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire le jet. Et comment on le collimate ? Alors, ça, c'est une fois qu'on a le jet, comment on le garde aussi mince pendant 80 ou 100 000 années-lumière ? Eh bien, ça, c'est parce que le trou noir, justement, est en rotation. Il faut qu'il soit en rotation pour qu'il y ait un jet. Et une fois qu'il est en rotation, toutes les lignes de champ magnétique tournent avec, sont entraînées et font comme un tube de champ, enfin un tube magnétique qui a un miroir magnétique qui confine les particules. Et toutes ces particules, elles sont confinées jusqu'à bien au-delà de la taille de la galaxie. Donc voilà comment on arrive à représenter ces jets radio. Ici, vous avez une galaxie optique. Toute petite, hein, quand on fait un zoom, on a la galaxie optique ici. Et donc, c'est des jets qui sont... Alors ici, on voit que celui-ci vient vers vous, donc il a été un tout petit peu amplifié par rapport à l'autre. Les électrons perdent un peu leur énergie, et puis une fois qu'ils ont perdu leur énergie, ils se terminent en un lobe radio d'émission synchrotron un peu plus faible. Mais tout ça, c'est bien plus grand qu'une galaxie. Donc, c'est géant dans l'espace intergalactique. Alors, je vais me dépêcher un tout petit peu. Alors, ici, on voit qu'aujourd'hui, tous ces quasars, en fait, ils ont besoin d'avaler de la matière pour faire toute cette énergie. En général, c'est dans les interactions de galaxies qu'on peut brasser la matière et leur donner on voit un petit peu ça. Ici, on a des fusions de galaxies qui sont à l'origine des quasars aujourd'hui. On peut en avoir deux, par exemple, deux qui fusionnent. Vous voyez, deux galaxies. Chaque galaxie a 2G. Et puis, là, on a deux galaxies, deux noyaux, hein, ces deux noyaux-là, et qui, tous deux, sont actifs en même temps. Alors ça, c'est très rare d'avoir 4G d'un coup. Pourquoi ? Parce que d'avoir un G dans une galaxie, c'est déjà 1% du temps. Alors, d'en avoir 4, c'est 1% au carré. Donc, lorsque ces G rentrent dans un amas de galaxies, par exemple, on peut par le vent intergalactique qui est du gaz dans les galaxies, on peut les déformer. Vous voyez qu'on peut les déformer pas mal. Donc, j'arrive maintenant à qu'est-ce qui produit ces énergies énormes. Alors, ces énergies énormes, hein, c'est uniquement la gravité. Et on peut le vérifier avec la petite formule que je vous avais donnée au début, hein, entre le rayon d'un trou noir. Par exemple, pour une masse solaire, on avait trouvé 3 km. Hein, c'était ce fameux rayon de l'horizon de GM sur C2. Alors, cette énergie gravitationnelle qui donne ces énormes énergies de quasar, c'est exactement la même que celle d'un barrage où l'eau tombe et puis ensuite vous avez une turbine à la fin parce que vous avez gagné l'énergie potentielle de chute de l'eau. Ici, c'est pareil. On fait tomber de la matière qui va spiraler et tomber sur le trou noir. Mais lorsque vous regardez l'énergie que vous pouvez gagner, si vous tombez jusqu'à l'horizon, comme le corps est très compact et le champ très fort, et voyez que vous pouvez au maximum gagner 1/2 de MC2, c'est-à-dire l'énergie de masse de ce que vous faites tomber sur le trou noir. C'est énorme. En fait, c'est au maximum. En moyenne, ce sera un peu plus petit qu'1/2 MC2, selon le cas. On a pu mesurer dans tous les quasars, parce que maintenant on a connu des milliers, des millions de quasars, qu'en moyenne, on gagnait 10% de MC2 sur toute l'énergie l'énergie de masse. Si on fait tomber un petit nuage de masse M, on gagne 10% de MC2.
Alors c'est beaucoup plus que toutes les réactions de fusion nucléaire qui se passent dans les étoiles, où l'efficacité est inférieure à 1%. Vous avez toujours 1%, moins de 1% de MC2 lorsque vous transformez de l'hydrogène en hélium dans les étoiles, par exemple. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment le plus rentable qu'on puisse faire en astrophysique dans les rentabilités en énergie. Donc c'est, on peut regarder un petit peu combien il faut manger de masse solaire par an pour un trou noir et pour rayonner 1000 fois plus que la Voie lactée, hein, le typique de quasar, et c'est à peu près 1 ou 10 masses solaires. Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'on peut manger autant que l'on veut? Et bien justement, c'est là qu'il y a une limite pour les trous noirs un peu trop gloutons. Quelle est la limite? Et bien c'est ce qu'on appelle limite d'Eddington. Tout simplement, si le trou noir avale de la masse, il va rayonner de plus en plus, donc ça va être très très brillant, il va y avoir des rayons X, des rayons UV, et il va y avoir une pression de rayonnement. Et c'est cette pression de rayonnement, qu'on a symbolisée par les flèches en violet ici, qui compense la gravité. Donc on ne peut plus faire tomber de la masse, parce que c'est tellement chaud que le rayonnement est si fort que la pression de rayonnement va compenser complètement la gravité, même en champ fort, autour du trou noir. Donc cette limite a été trouvée par Eddington en premier, et elle peut s'écrire comme ceci, c'est-à-dire la limite d'Eddington, c'est 3 fois 10 puissance 12 luminosité solaire. Alors pour vous donner une ordre de grandeur, la Voie lactée rayonne 10 puissance 10 seulement, donc c'est 100 fois plus, 300 fois plus, pour une masse de 10 puissance 8. Or, on a vu que Messier 87 avait une masse de 6,5 10 puissance 9, 1 milliard. Donc on peut rayonner 1000 fois plus que la Voie lactée, en effet. C'est possible, et pour cela, il faut, on ne peut pas manger plus que 2 masses solaires par an pour un trou noir, 200 millions de masses solaires. Donc vous voyez qu'il y a une limite, un trou noir ne peut pas tout avaler, il sera obligé de recracher. Alors comment on mesure la masse du trou noir? Eh bien, il y a beaucoup de façons, hein. Ici on a la vitesse. Vous voyez la vitesse décalée vers le bleu, décalée vers le rouge, on peut mesurer directement, ça a été fait avec le Hubble Space Telescope, parce qu'il a beaucoup de résolution spatiale. On a pu le mesurer directement de façon géométrique par des masers. Alors qu'est-ce que c'est que les masers? C'est comme un laser, mais en micro-ondes, avec la molécule d'eau. Lorsque la molécule d'eau est très excitée, elle peut émettre un rayonnement cohérent, comme ce laser du pointeur ici, c'est un rayonnement cohérent. Donc on peut émettre ce rayonnement cohérent. À ce moment-là, il est beaucoup plus fort que le rayonnement non cohérent et statistiquement thermique. Et donc ici, vous voyez le rayonnement des molécules laser autour d'un trou noir dans un disque d'accrétion. Et ça, on a pu le faire avec des longueurs d'onde centimétriques et avec une interférométrie aussi avec les lignes de base terrestres. Et ce qu'on a pu faire, c'est mesurer directement la rotation des molécules d'eau autour du trou noir. Et comme on a le mouvement propre, on a directement la distance aussi de la galaxie par effet géométrique. Donc tout a pu être mesuré et on a pu avoir la masse du trou noir de cette façon-là. Là, on voit bien que c'est une trajectoire tout à fait keplérienne. Donc on a beaucoup de moyens d'avoir la masse du trou noir. Et en fin de compte, voici ce qu'on a obtenu. C'est qu'il y a une bonne corrélation entre la masse du bulbe des galaxies et la masse du trou noir qui est au centre. Alors vous voyez un petit peu la masse du bulbe central, ici on a zéro. Le bulbe, c'est le jaune, là, la luminosité des étoiles vieilles, le jaune. On a représenté le disque en bleu, parce qu'en général, les nouvelles étoiles se naissent dans le disque, donc le disque est plus bleu. Alors la Voie lactée, on est à peu près ici, c'est-à-dire que le bulbe de la Voie lactée est très peu massif. Et puis, lorsqu'on a le Messier 87, qui est presque une galaxie elliptique, on n'a pas de disque, on a un trou noir qui fait justement 6,5 milliards. Alors, à la fin, dans les minutes qui me restent, là, je vais vous montrer pourquoi ces trous noirs supermassifs dans les galaxies et les galaxies évoluent ensemble. Il y a une symbiose entre ces deux. Alors, on a besoin des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Alors, tout ça, c'est justement lié au phénomène de matière noire. On sait que les galaxies, ici une représentation de galaxies, sont dans un halo, dans un lot de matière noire, et la quantité de matière noire est phénoménale. On sait que la matière ordinaire, qu'on appelle les baryons ici, c'est 5% du total, la matière noire c'est 25%, donc c'est 6 fois plus. Après on a de l'énergie noire, 70%, mais pour l'instant ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la matière noire. Et le gros problème de cette matière noire, d'abord on ne sait pas ce que c'est,
on n'en dira rien aujourd'hui, mais surtout, c'est que dans les galaxies, on est dominé par la matière noire et on n'a pas du tout le rapport universel, le rapport 6 entre matière noire et matière visible. On devrait avoir 6 fois plus de matière noire que de matière visible partout, dans tout l'univers. Or, dans les galaxies, c'est pas ça du tout. On n'a que 20% de la matière visible qu'on pourrait avoir. Et ça, c'est un gros problème. On se demande où elle est partie, où sont parties toutes notre matière visible, alors qu'il ne reste que la matière noire. Alors, dans les petites galaxies, on se dit, OK, la formation d'étoiles produit beaucoup de supernovae qui va chasser tout le gaz. Tout le gaz va partir dans l'espace intergalactique et on n'aura plus de matière visible. Mais dans les grosses galaxies, c'est un problème puisque les supernovae ne sont pas assez puissantes pour faire échapper tout le gaz. Et c'est là que les trous noirs vont nous aider. Parce que ces trous noirs, on a vu qu'ils rejettent beaucoup de masse. Et il est possible que dans ce jet, là, qu'on a vu des tas de jets avec les trous noirs, il est possible que ce jet explose, fasse exploser la galaxie et fasse partir 80% de la matière visible. Et c'est ce dont on a besoin. Dans la Voie lactée, par exemple, vous n'avez que 20% de la matière visible qu'on pourrait avoir. Tout le reste, la matière noire a pris sa place. Alors, est-ce que c'est vrai ? Ben oui, c'est un petit peu peut-être vrai. On a vu, par exemple, dans cette galaxie-là, vous voyez, la galaxie est en bleu, le jet est en rouge. On a des trous qui sont produits par le jet radio dans le gaz X. Ici, en rouge, on voit le gaz X qui a une grande partie de la masse visible de la galaxie. Et on voit que, ici aussi, c'est dans l'amas de Persée, on a des cavités ici qui sont créées dans le gaz de la galaxie par le trou noir. Donc on a l'impression que le trou noir pousse toute notre matière visible. On voit ces effets-là. Ici, on en voit par intermittence. On sait que les jets sont assez éphémères, comme on a dit. Donc ici, on voit qu'il y a une petite cavité qui vient de se produire. Ici, on voit une cavité plus ancienne et encore une cavité plus ancienne. Donc on a l'impression que ces jets radio sont émis par bouffées et que peu à peu, on va éjecter toute la matière visible des galaxies et va se retrouver dans l'espace intergalactique. Au départ, on l'a vu aussi, on peut suivre ces jets avec quelle vitesse ils vont. En fait, on a vu très proche du trou noir dans le disque d'accrétion, on a vu ces raies en rayons X qui sont à des vitesses phénoménales, 10 000 km par seconde, presque des vitesses relativistes. On appelle ça ultra-fast ou UFO. Et puis ensuite, peu à peu, on voit aussi du gaz qui est éjecté sous forme moléculaire. Alors sous forme moléculaire, c'est encore plus important. On a des vitesses plus petites, mais beaucoup plus de gaz qui sont éjectés. Donc toutes ces gaz moléculaires qui auraient pu faire des étoiles dans la galaxie sont partis. Donc il est possible que, en effet, alors on le voit une galaxie où le jet radio est en bleu, la galaxie a des bras spiraux, et puis en bleu, vous avez un jet qui n'est pas perpendiculaire au disque, mais qui est dans le plan. Donc il peut en effet pousser le gaz hors de la galaxie. Donc c'est ça à quoi on pense, c'est que les trous noirs ont assez d'énergie, et beaucoup plus d'énergie en fait que les étoiles, et pourraient pousser une grande partie du gaz hors des galaxies. Et c'est peut-être pour ça qu'on a une très très bonne corrélation entre la masse des trous noirs et puis la masse des galaxies, parce que la masse des galaxies, c'est les étoiles. Et si les trous noirs empêchent la formation d'étoiles en faisant fuir le gaz, il est possible qu'on puisse retrouver la corrélation entre les deux. Donc, des éjections de gaz, on en a vu. Et donc, c'est ce phénomène de rétroaction ou feedback qui peut être efficace et qui explique pourquoi toute la matière ordinaire se retrouve en dehors des galaxies. Donc, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci Françoise Combes. Est-ce qu'il y a des questions ? La première est toujours la plus dure. Pas de questions ? Alors pendant que vous réfléchissez, je voulais juste remercier Fabien de l'association Connaissance et Partage, Maxime et Kylian de l'association À la Belle Étoile qui ont filmé la conférence. Et donc, dans les semaines qui viennent, on ne sait pas quand, mais on devrait retrouver cette conférence sur YouTube avec l'autorisation de Françoise Combes. Voilà, merci à eux. Donc, si vous voulez faire des observations du ciel, n'hésitez pas à les rejoindre. Il y a des grands spécialistes, notamment chez eux, de la photo astronomique. Voilà.
Alors, une première question ? Non, toujours pas ? Bon. Écoutez, c'était super complet, alors. Merci, merci à vous, Françoise Combes. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la lettre d'information de Planète Océan pour connaître les événements, les futures conférences. Je n'ai pas de date à vous proposer. Peut-être qu'il y en aura-t-il une au mois de juin, mais je n'ai pas encore de date. Donc, via la lettre d'information, via le site Internet, vous pouvez avoir tous ces renseignements. Voilà, merci à vous. Ah, voilà, il suffit d'être parlé, d'être un peu bavard. Bonsoir, je suis un néophyte complet, mais je m'intéresse à la chose. Je vous ai entendu parler de 10 fois la vitesse de la lumière. Alors donc, ça paraît surprenant. Oui, oui, oui. En fait, c'est un effet de. C'est pas un effet d'optique, je dirais, mais c'est un effet du fait que quand on est habitué dans l'univers qui nous entoure, on a l'impression que la vitesse va à une vitesse infinie, et donc on ne regarde pas le retard pris par les objets qui sont derrière et devant. La vitesse de la lumière est tellement plus grande que les autres vitesses que on le néglige complètement. Par contre, ici, les particules A et B, les nuages de gaz qui nous apparaissent en mouvement propre, elles vont presque à la vitesse de la lumière. Donc finalement, il y a une compétition entre le messager, qui est le photon, qui va nous envoyer les deux nuages, alors je les ai appelés A et B, mettons A et B. Le A va rester derrière et le B va venir devant. Il y en a toujours un qui est devant l'autre. Et celui qui est devant va tout d'un coup être plus proche de nous. Donc le chemin qu'il a à parcourir, il est plus court. Donc le signal va nous arriver avant celui de A qui est derrière. Et c'est juste la différence de chemin qu'il y a entre A et B qui fait la différence. En fait, ils avancent tous les deux avec une vitesse proche de la lumière, mais celui qui est devant a un chemin plus court à venir vers nous, et donc il arrive plus tôt. Et la comparaison est importante puisqu'ils vont tous les deux à quelque chose qui est proche de la vitesse de la lumière. Donc c'est cet effet-là auquel on n'est pas habitué d'habitude. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, ça peut être 10, ça peut être 11, ça peut être 20, ça peut être 3, etc. En moyenne, c'est 10 parce que les sources radio sont toujours à peu près viennent vers nous avec un certain angle, etc. Une question statistique, mais ça peut être 10, mais ça peut être 20. Hein. C'est tout ce qu'il y a entre 1 et 20. Alors, il y a un effet de biais parce que on voit beaucoup plus les objets qui viennent vers nous, ils sont amplifiés par l'effet relativiste. Ils peuvent être 10 à 20 fois plus lumineux, donc ce sont eux qu'on voit. Si c'était dans le plan du ciel, on ne verrait pas autant de quasars, parce qu'on n'aurait pas cet effet relativiste qui vient vers nous. Donc on a un biais de sélection pour voir ceux qui viennent vers nous. Et ceux qui viennent vers nous, il y a ce fameux θ qui est petit, et qui fait justement cet effet-là, qui permet d'avoir des jets superluminiques de 2 à 20 fois la vitesse de la lumière, apparente. Hein. C'est apparent, parce que nous, on voit un mouvement propre, et on a l'impression que B, le signal arrive plus tôt, donc il va très vite. Mais en fait, non, il ne va pas très vite. Il va seulement à la vitesse de la lumière, mais le signal arrive très vite parce qu'il est devant nous. Le signal va à la vitesse de la lumière, et le gaz, lui, il va à 0,9 ou 0,95 la vitesse de la lumière. Ils sont à une vitesse comparable. En fait, c'est ça le... Ce n'est qu'une vitesse apparente, hein, bien sûr. Bonsoir. Alors, merci pour la conférence. Moi, j'ai pas très bien compris quelles sont les formes d'énergie là qui se dégagent du trou noir. En fait, sous. Oui. Alors. Oui. L'énergie, c'est uniquement la gravité. Quand on tombe sur le trou noir, j'ai pris l'image du barrage parce qu'on est habitué à voir dès que on perd de l'énergie gravitationnelle, elle se revient en énergie cinétique. Alors ici, c'est des vitesses énormes. Il y a des chocs, des ondes de choc. Et ces vitesses vont rayonner. Enfin, le gaz qui est choqué va rayonner. Donc l'énergie que l'on voit, elle sort en rayonnement lumineux, visible. On a vu radio, visible, en rayons X, en rayons gamma. Tout le spectre. Et c'est énorme. C'est beaucoup plus que les étoiles. Quand on a un trou noir très massif, on peut avoir 1000 fois plus d'énergie que toutes les étoiles de la galaxie réunies. C'est ça qui est difficile à comprendre au début. C'est pour ça qu'on n'a pas compris pourquoi les quasars émettaient tant d'énergie. Donc c'est uniquement la gravité.
Et une fois que la matière tombe, elle va s'échauffer en tombant, sauf si ensuite elle passe l'horizon, on ne verra plus rien. Mais tant qu'elle est autour, alors évidemment, il y a de la vitesse parce qu'elle ne tombe pas pile dessus, elle tombe un petit peu à côté, donc elle va tourner autour. Et c'est en tournant qu'il y a des chocs et puis elle va chauffer. Donc ça va être un disque d'accrétion qui va être ionisé, tellement c'est chaud. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on a un plasma de protons et électrons qui émet du rayonnement. Ça peut être du rayonnement thermique et synchrotron. Et ce qu'on a vu dans l'image du trou noir, avec l'ombre au milieu, c'était le disque d'accrétion des particules qui tournent autour et qui sont très chaudes et qui émettent ce rayonnement. Alors justement, on a une réaction vraiment là, impressionnante dans l'univers. Et est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer cette énergie Alors là, en effet, ça c'est un film de science-fiction. Il y a un film de science-fiction qui a été proposé, justement, une civilisation qui aurait, disons, un petit rail ou un petit disque autour, vivrait sur le disque d'accrétion ici et essaierait de récupérer de l'énergie. Alors, tous leurs déchets, leurs poubelles seraient tombés sur le trou noir avec une énergie, enfin, un moment cinétique contraire à la vitesse de rotation du trou noir. C'est le mécanisme dont je parlais. On jette ces déchets sur le trou noir et on récupère l'énergie cinétique du trou noir. Et donc, en lançant ces déchets, on récupère de l'énergie. Mais bon, ça, c'est difficile d'être autour d'un trou noir. Bon, il faut être très, 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 très près. Donc, et c'est dangereux. On risque de tomber aussi dessus. Alors, bonsoir. Tout d'abord, merci pour la qualité de cette conférence. Je voulais savoir qu'est-ce qu'était un trou blanc. Oui, en fait, un trou blanc, c'est le contraire du trou noir, mais c'est un être chimérique, un tout petit peu une spéculation. On n'en a jamais vu. On ne sait pas s'ils existent. Donc, on poursuit les équations de la relativité générale. Et au lieu d'absorber, le trou noir va rejeter de l'autre côté, si vous voulez. À mon avis, on ne sait pas du tout si ça existe. On poursuit l'équation, mais en général, dans les équations, il y a des solutions qui sont physiques et des solutions qui ne sont pas physiques. On le sait qu'on élimine les solutions non physiques. J'ai l'impression que c'est plutôt une solution un peu non physique. Mais on n'en a jamais vu. Une étoile inefficace. Le feedback est efficace. Je disais que j'ai peut-être dit que c'est le trou noir renvoyé de la matière. Et je ne sais pas si j'ai pas parlé d'étoiles inefficaces. Je pense que c'était la formation d'étoiles inefficaces, peut-être. C'est que on n'arrive pas à former des étoiles parce que le trou noir nous en empêche, en quelque sorte. Je pense que c'est ça qu'il devait avoir écrit. Parce que étoiles inefficaces, non, je pense pas que... en fait, les étoiles, il y en a de diverses masses. Les plus efficaces, si vous voulez, qui rayonnent le plus, sont les plus massives. La physique des étoiles est bien connue. On sait que les étoiles de 10 à 100 masses solaires rayonnent pendant 10 millions d'années seulement. Donc elles brûlent tout leur combustible très rapidement. Et puis ensuite, les étoiles comme le Soleil, qui sont beaucoup plus petites, eh bien elles durent 4 ou 10 milliards d'années. Donc elles brûlent, elles ont moins de combustible, mais elles brûlent beaucoup plus lentement et elles durent plus longtemps. Donc c'est énorme, puisque de 10 millions d'années à 10 milliards d'années, c'est un facteur 1000, donc c'est vraiment des étoiles très 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 différentes. Et puis ensuite, peut-être il y a aussi, quand on descend en dessous de 0,1 masse du solaire, à ce moment-là on peut avoir des naines brunes, etc., qui ne rayonnent plus, comme par exemple Jupiter, qui est encore 10-3 fois la masse du Soleil et qui ne rayonne pas, mais qui se contracte un petit peu, donc qui émet un peu d'infrarouge plus que la réflexion du Soleil comme les autres planètes, mais qui rayonne un tout petit peu, mais qui est vraiment une naine. Donc il n'y a pas de réaction nucléaire qui se forme dans Jupiter. Par contre, dans toutes les étoiles, il y a des réactions nucléaires qui donnent leur énergie, mais avec une vitesse très différente. Donc ça, on peut parler
les étoiles très massives sont très efficaces. En 10 millions d'années, elles ont fini de brûler tout leur combustible. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait une taille minimale de trou noir et quel était le plus petit trou noir qui avait été observé. Oui, alors ça c'est une bonne question parce qu'on reparle maintenant des trous noirs primordiaux. Trous noirs primordiaux qui peuvent avoir n'importe quelle masse et qui peut-être formeraient la matière noire, etc. Et en fait, non, on n'en a jamais vu. On a fait une expérience qui s'appelait Eros, Macho, etc. justement pour avoir... est-ce qu'il y a des objets compacts qu'on ne verrait pas sous forme de trous noirs? Et à ce moment-là, on les verrait par des effets de micro-lentilles. Donc on a regardé pendant des années les étoiles du nuage Magellan, qui est une galaxie proche, et on a regardé des millions d'étoiles, et s'il y avait un petit objet compact qui passait devant, on aurait vu une amplification, on en a vu, mais on n'a vu que les étoiles connues, on n'a pas vu d'autres objets. Donc on a éliminé toute une catégorie d'objets compacts. Et les étoiles, donc les trous noirs qu'on a vus, sont seulement de masse stellaire, entre 3 et 80 masses solaires. Et puis ensuite, les trous noirs supermassifs, entre des millions et des milliards. Mais les plus petits, on ne les a jamais vus, on les a éliminés par les effets de micro-lentilles. Mais on sait que, de toute façon, les trous noirs s'évaporent, d'après le principe d'Hawking, qu'il fallait toute la thermodynamique des trous noirs. Donc les petits trous noirs sont plus chauds. Et ils s'évaporent très vite. Et les trous noirs massifs ne s'évaporent pratiquement pas. Donc on peut connaître la masse minimum qu'il faudrait à un trou noir pour ne pas s'être évaporé en 13 millions d'années, 13 milliards d'années depuis le Big Bang. Et c'est 10 puissance 15 grammes. Donc c'est plutôt 10 moins 15 masses solaires. Donc il faut au moins ça. Tous les autres seront évaporés depuis le temps pour les trous noirs primordiaux. Mais enfin, ce qu'on a vu, c'était que des trous noirs de fin de vie d'une étoile. On n'a pas vu autre chose. Bonsoir, je suis là. Ah oui. Merci d'être venu. Est-ce qu'on observe des trous noirs qui meurent? Ah, mais qui s'évaporent. Qu'est-ce que ça devient? Ah ben, ils pourraient s'évaporer. Alors quand ils s'évaporent, mais les petits, hein, les petits, ils s'évaporent, ils font... Bzip, et puis... Merci. Leur masse, ils perdent de la masse continuellement. Ils rayonnent, ils perdent de la masse. Ils rayonnent parce qu'il y a des particules d'antimatière. Enfin, dans le vide quantique autour, il y a une association matière-antimatière. Il y en a quelques-unes par asymétrie. Il y a beaucoup d'asymétrie. L'antimatière tombe et finalement se combine avec la matière du trou noir et ça s'annihile. Donc à la fin, il y a une annihilation qui donne rayon gamma et puis il n'y a plus de trou noir. Et ce seraient tous les trous noirs, donc assez petits, inférieurs à 10 puissance 15 grammes, qui seront tous évaporés comme ça. On n'en a jamais vu. On n'a jamais vu de trous noirs s'évaporer, parce que tous les autres, c'est au moins de quelques masses solaires ou bien des millions. Et ceux-là, ils prendront bien plus que l'âge de l'univers pour s'évaporer. Donc, Ils sont immortels, alors? Voilà. Voilà. Enfin, immortels, je n'irai pas jusque-là, mais au moins, ils font des ordres de grandeur d'âge de l'univers que nous connaissons. Donc pour nous, ils sont immortels, mais pas entièrement. Ça ne peut pas aller jusqu'à l'infini, puisqu'ils s'évaporeront quand même à un moment donné. Est-ce qu'avec nos technologies avancées, on pourrait fabriquer des micro-trous noirs? Je crois que c'est impossible. On en a parlé dans le LHC, on a essayé de faire peur à tout le monde. En disant qu'on allait créer, en faisant des collisions de protons et d'antiprotons, on allait pouvoir créer des petits trous noirs, mais non. Je crois qu'on ne va pas être capable. Je suis déçu. Alors le LHC n'a fait aucun trou noir, hein, comme ça se saurait. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur les ondes gravitationnelles, la détection dont vous avez parlé un petit peu. Vous avez dit qu'il y avait une différence mesurée entre la vitesse de la lumière et la vitesse des ondes gravitationnelles. Et je me demandais si c'était, si on pense que c'est dû à une erreur sur la mesure ou s'il y a des théories sur l'origine
la différence. En fait, justement, on cherchait, est-ce qu'il y en a une ? Parce que certaines théories de gravité modifiée prétendent qu'il pourrait y en avoir une différence. Mais la seule mesure que l'on a, c'est celle des fusions des étoiles à neutrons. On a pu, en même temps, par le signal gravitationnel qui nous est parvenu après 135 millions d'années de voyage quand même, et les ondes électromagnétiques qui ont fait le même chemin, et on les a vus arriver à entre 5 et 10 secondes. Ça dépend des rayons gamma, des rayons X, etc. Mais comme de toute façon, ce n'est pas exactement au même endroit, on s'attend à quelques secondes d'écart. Mais quelques secondes sur 130 millions d'années, ça nous fait une limite de 10⁻⁵ sur la différence entre les deux vitesses. Donc pour l'instant, on pense qu'elles sont la même vitesse à cette erreur, à la barre d'erreur, c'est de 10⁻⁵. Donc c'est très très petit. Donc pratiquement, il n'y a aucune théorie qui prédit une si petite différence, donc on peut les considérer égales, ces deux vitesses. Donc à partir d'aujourd'hui, les deux vitesses sont égales. Et j'ai une question qui suit du coup. On n'a eu qu'un seul événement pour mesurer la vitesse de ces ondes ? Oui, mais ça suffit. Ça suffit. D'accord. Oui. Alors, on va en trouver d'autres, hein, mais un seul suffit, hein, puisque là, on savait dans quelle galaxie. Mmh. Hein, on a fait des alertes et tous les télescopes infrarouges, optiques, là, ont été sur le. C'est un petit peu comme les flashs gamma, les sursauts gamma. Il y a des sursauts qui durent une seconde ou deux, et ensuite, il y a des ce qu'on appelle afterglow, les restes de luminosité. Donc, tous les télescopes s'y mettent. Il faut être rapide, à la seconde près. Et ensuite, on voit le reste. Et c'est ce qu'on a fait. On l'a vu dans la galaxie. On a bien repéré d'où ça venait. Et il n'y en a qu'un. Hein. Donc, ce n'est pas possible que ce soit différent. Alors maintenant qu'ils ont un événement par semaine, il y en aura peut-être 10% qui seront des étoiles neutrons. On va en voir d'autres, certainement. Mais ça, c'est le premier suffit pour montrer que les deux vitesses sont égales. Mais c'était en effet la première fois qu'on mesurait la vitesse des ondes gravitationnelles. Et comment on explique la formation des trous noirs au centre des galaxies ? Ah oui, ça c'est une question où on est toujours en train de plancher, si je puis dire. On pense que là il y a un gros problème, c'est que on pense qu'il y a dans les amas globulaires beaucoup de collisions entre étoiles qui vont faire un petit trou noir de masse 100 à 1000. C'est ce qu'on appelle des trous noirs de masse intermédiaire. Je vous ai présenté deux classes de trous noirs, un qui pouvait aller de 1 à 100, et puis l'autre qui commençait à 1 million jusqu'à 1 milliard. Entre les deux, on n'a pas vu de trous noirs de masse intermédiaire. C'est ces fameux trous noirs de masse intermédiaire qu'on cherche. Alors pourquoi on ne les trouve pas ? Parce qu'ils ne sont pas assez massifs pour tomber au centre des galaxies. Donc ils sont quelque part, et c'est difficile de savoir où. Alors, quand on a une binaire, on sait, pour un trou noir de masse stellaire, on a la binaire, on sait où il est. Le trou noir de masse intermédiaire, on ne sait pas trop où il est. Donc on cherche dans les galaxies naines. Les galaxies naines doivent avoir un petit trou noir de masse intermédiaire. Mais ce n'est jamais très probant. On peut toujours dire que c'est un amas d'étoiles qui fait la masse. Et donc personne n'a vraiment prouvé qu'il y avait des trous noirs de masse intermédiaire. Mais certainement, il y en a. Donc ce qu'on pense, c'est qu'il y a un amas globulaire qui forme un trou noir de plus en plus gros. Et une fois qu'il est tombé au centre de la galaxie, il accrète tout. Il accrète le gaz qui tombe au centre de la galaxie, les étoiles. Alors les étoiles qui sont détruites par effet de marée et qui redeviennent gaz, qui tournent autour dans les accrétions et ensuite qui sont avalées par le trou noir. Donc peu à peu, il grossit pour donner les millions et les milliards de masses solaires. Donc il est en bonne position pour grossir. Mais il y a un petit passage, on sait que ça passe par là fatalement, mais on ne l'a pas encore observé, des trous noirs de masse intermédiaire. Plus de questions ? Non ? Bah écoutez, au départ, on n'en a pas eu beaucoup, mais après, il y en a eu beaucoup. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je remercie encore Françoise Combes pour cette conférence.
Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la lettre d'information pour avoir tous nos événements à venir. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir.